Salut, c'est Collage, on se retrouve sur My Garage parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Tout d'abord, cette voiture est arrivée, c'est une version break du Wolf qui était déjà présent. Je ne vous ai pas montré sa construction parce qu'en fait, c'est exactement la même, à part le haillon, on est sur un véhicule identique. On va aller aujourd'hui découvrir un centre de service auto, du tuning, du banc, ce genre de choses. Juste avant d'y aller, je suis en train de me demander combien j'ai de voitures. Ça serait bien de faire un petit inventaire, voire même d'en vendre ou d'en ranger. Alors, il y en a une là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est donc sur 13 véhicules. Donc, ouais, il va peut-être falloir faire un petit peu le ménage, faire des choix. Pour une raison simple. Aujourd'hui, on va aller donc à la station de service automobile qui est un peu plus loin sur la map. Mais cette station vend également des véhicules. Et elle vend des véhicules tunés. Pas des véhicules d'origine comme celui-ci. Elle vend des véhicules tunés. Et le but, c'est que j'arrive à acheter un véhicule. C'est pour ça que j'ai mis de côté 52 000. Donc, on va y aller. Dans les commentaires, on m'a demandé si ce jeu était dur. Alors, ce jeu, j'ai répondu que j'avais fait pas mal de vidéos et que je détaillais pas mal les choses que je faisais, ce qui permet de voir tout de suite si ça va être trop dur pour vous ou pas. La deuxième chose que je n'ai pas précisé d'ailleurs à ce commentaire, c'est que oui, il y a des choses que je vous dis pas dans les problèmes. Il y a des problèmes techniques, on est sur un jeu anticipé, c'est aussi pour cette raison. Il y a beaucoup d'incohérences par rapport au jeu. Quand je parle d'incohérences, je veux dire des choses qui fonctionnent et peut-être que le mois d'après, elles ne vont plus fonctionner et qui sont inexplicables. Vous ne trouverez pas forcément d'aide parce que vous allez être le seul à avoir ce bug. Donc, il a cette complexité où techniquement, c'est loin, loin d'être parfait. Moi, je ne vous en parle pas, mais le volant, par exemple, dans toutes les vidéos que vous avez vues, c'était des vidéos au volant. Peut-être sur une dizaine de vidéos, j'ai dû remettre 5 fois mon volant pour essayer de le faire reconnaître, le re-régler, faire en sorte qu'il retienne les réglages. C'est quelque chose qui saute régulièrement. Il y a même un bouton dédié. Vous le trouvez, bon là je suis dans la voiture donc il ne va pas vouloir faire la pause, mais il y a même un bouton dédié lorsque vous avez des problèmes de sauvegarde de vos paramètres. Ça, ça peut vite vous énerver. Donc là, je vais me rendre sur la map pour vous montrer. On a ici. Maintenant, vous allez voir, ça a changé. Ils ont ajouté des choses et on va y aller tout de suite. Donc, pour y aller, hein, faut traverser le pont, première à droite et encore première à droite. Donc, on est bon pour y aller. Par exemple, je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, je joue à la manette. Parce qu'il y a quelques jours, il y a une mise à jour. Et moi, mon volant, ma compatibilité volant a tout simplement disparu. Mais littéralement, c'est-à-dire que je veux faire du mapping et mettre mes vitesses sur les palettes. Ça fonctionne, il reconnaît. Pour tout le reste, tous les axes, donc frein, embrayage, frein à main, accélérateur, volant, il ne voit absolument rien. Donc ouais, ça peut parfois être énervant. C'est aussi pour cette raison que j'avais pas fait de vidéo là depuis un moment sur ce jeu. C'est tout simplement parce que j'étais en train d'essayer de régler mes problèmes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai abandonné. J'ai abandonné, je joue à la manette. Parce que contre toute attente, le jeu a une compatibilité manette qui est pas dégueulasse du tout, puisqu'elle vous laisse bien modifier les touches. Maintenant, est-ce que tout ça va être sauvegardé pour la prochaine partie ? J'en sais rien, on verra bien. En attendant, on va pas se laisser miner. On va aller découvrir ce nouveau bâtiment. Alors, où c'est? Là, c'est la pizzeria. Ah, c'est ici. Voilà. Alors, vous voyez, il y a des véhicules neufs. Et là, on a un banc. Donc là, il vous précise qu'en plus, il rachète les voitures.
C'est vrai que c'est plus réaliste que d'appuyer sur I pour une voiture et de la vendre. Donc ça, c'est pour enlever la rouille. Là, vous pouvez voir que c'est des véhicules pas d'origine. On peut pas regarder ce qu'il a dans le capot, mais ça a l'air assez méchant. Vous pouvez voir aussi que il y a une certaine similitude avec les véhicules que j'ai. Après, vous allez me dire, il n'y a pas 10 000 véhicules et moi je les ai tous, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi, ma Lada coupée rouge, je l'ai faite en mode rallye pareil. J'ai un équivalent de celle-ci avec laquelle je suis venu. Je pense que dedans, ça doit être un V8. Parce que 360 HP, 46 000 $, ça doit être un V8. Et là, on a du 454 HP, 32 000. C'est un V8, mais avec le air cooler que j'ai fait sur ma chargeur. Ici, c'est pour enlever la rouille et changer la couleur de la voiture. Donc là, je me suis mis à l'emplacement pour avoir les informations de revente de mon modèle. 17 144. Rien d'endommagé a priori. Par contre, ici, il y a des véhicules. Et moi, j'aimerais bien prendre un véhicule. Là, les 360 HP, je dois reconnaître que je suis en train de me demander, tout simplement, s'il est plus puissant que le mien ou pas. Parce que, il me parle d'une valeur de 17 000 à la revente, et là je vois un véhicule à 46 000. Donc qu'est-ce qu'il a de plus, étant donné que je vois un V8? C'est un V8 custom. Ah ouais, il y a un body kit, j'avais pas fait attention. Vous avez un petit spoiler, vous avez le... Effectivement, je l'ai pas. Bon bref, mais au niveau moteur, je suis assez curieux, donc on va cliquer et l'acheter. J'aime bien ces jantes. Je suis pas fan de cette couleur. Là, je vous le dis, je suis pas fan de cette couleur. Donc, je vais voir s'il n'y a pas moyen tout de suite de le repeindre, puisqu'il y avait une pièce pour la peinture. Donc ça, il me semble que c'est pour la peinture. Hein. Paint Booth, ouais. Donc j'appuie sur I. Et je vais lui demander de changer la couleur ici. Et si on se mettait un bordeaux pour aller avec les sièges rouges? Maintenant, il faut que j'aille payer, c'est ça? C'est celui-là. Voilà. C'est pas mal comme ça. C'est accordé avec les sièges. Ça m'évitera de changer toute la sellerie. Et on va aller tester tout de suite ce nouveau Merco préparé par le développeur. Ah, il est nerveux. À la reprise, il est bien nerveux. Essayez de pas le casser aussi, hein, parce que à 46 000 $, il doit être un peu supérieur au mien quand même. Alors, dans les prochaines mises à jour de MyGarage, moi j'aimerais bien qu'il règle ces problèmes de compatibilité, de paramètres. Ce serait bien qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, jouer avec les contrôleurs, les volants qu'on veut, sans avoir de difficulté à les paramétrer. Je pense qu'il y a des choses plus simples à faire, je sais pas, peut-être qu'il faut qu'ils s'inspirent de jeux comme The Long Drive, ou j'en sais rien en fait. Mais c'est assez énervant et ça peut démotiver de jouer, donc moi je le mets en garde hein, quand même. Le développeur, faut qu'il fasse attention à ça. La deuxième chose, par la suite, sur le court moyen terme, que j'aimerais bien qu'il patche, c'est tout simplement la conduite. La conduite, moi je vous le dis, je joue parce que j'adore les possibilités intérieures au jeu, tout le gameplay intérieur. Mais on va pas se mentir, la conduite elle est pas agréable. Vous voyez le déplacement de la voiture sur la route, la physique c'est pas terrible. Donc là-dessus, ils ont beaucoup d'efforts à faire et je pense qu'il faut qu'ils les fassent parce qu'on est sur un jeu où vous allez être constamment comparé à du My Summer Car ou autre. Et ce sont des jeux, la physique joue beaucoup. C'est pas celui-là. Il est là, voilà. Donc je sais pas si moi, si j'avais mis celui-là, j'aurais peut-être les mêmes performances. Et puis pour le kit,
Ben le kit, tout simplement, je crois qu'il est arrivé avec la mise à jour et que vous pouvez l'acheter et l'installer vous-même. On va vérifier ça tout de suite. Voiture, la Wolf, body. Ah, elle est là, voilà. Bumper, front kit, rear kit, c'est du kit 1. Spoiler, spoiler left. Alors, dans les nouveautés chez lui, chez Louis Store, on a une sableuse maintenant que je vais m'empresser d'acheter tout de suite, puisqu'elle va faire, elle va remplacer ma ponceuse rotative et elle va travailler bien plus efficacement. Donc, j'ai la sableuse, il va me falloir du sable. Ici, vous pouvez voir le strap qu'il me manquait au centre auto. Hop, on lui met du sable. On récupère le tuyau. Enfin, c'est un flexible, ouais. Et voilà, regardez ce que ça fait. Ça fait le boulot de la disqueuse, mais en 3 fois plus rapide. Et vous, après, vous n'avez plus qu'à peindre. Du coup, j'aimerais bien, moi, tester mon Merco. Donc, on se retrouve au centre auto. J'ai pas dit mon dernier mot. Hop, voilà. S'accroche où l'autre? Je veux bien strap de car, mais comment? Et que je la strappe à quoi? Au sol? Vous voyez, ça, c'est les regrets que j'ai sur My Garage. Il y a des choses qui devraient pas passer, c'est des choses simples. Indiquer un petit peu mieux aux personnes. Moi, il y a trop de fois où je dois aller sur Internet, chercher, regarder des vidéos. C'est un développeur qui a trop pris l'habitude de que la communauté soit son manuel dans son mode d'emploi, son manuel d'utilisation. Si tu veux pas avoir à expliquer tout, il faut faire des choses logiques. Quand tu strappes une voiture pour le banc, bah, l'attache, elle est derrière quelque part, il y a une attache. Là, c'est un petit peu frustrant, je reconnais. Et ça peut lasser. Là, par exemple, j'ai plus envie d'utiliser le banc. Là. J'ai envie de passer à autre chose. C'est pas grave, je saurais pas la puissance de ma voiture, mais quelque part, je m'en fous un peu. Mais moi, j'aime bien quand on implante des choses dans les jeux, ça soit expliqué quand même. Je pense que le studio indépendant à dos large, c'est pas parce que c'est un studio indé que tout doit être à l'arrache comme ça. Donc c'est un peu une vidéo coup de gueule. J'ai quand même fait une dizaine de vidéos où j'en parle pas. Il faut le savoir. Voilà, regardez les menus, c'est quoi? Bah, utiliser un volant force feedback, configurez-le dans le menu. Vous demandez en fait pourquoi c'est une touche, en fait, à quoi elle sert. Vous allez dans les menus, vous arrivez ici. Donc là, vous avez une touche entrée directe, les volants. Vous le cochez. Ici, vous avez automatic clutch de cocher. Vous avez inversé, throttle, steering, etc. Ok, on peut le cocher ou le décocher. Mais bon, sachez que c'est bien quand vous avez votre volant qui est inversé. Là, le volant disparaît régulièrement, il n'y a pas de volant. Regardez en haut. Nettoyez le registre à utiliser uniquement si vous avez des problèmes pour sauvegarder vos contrôles. Donc rien que ça, je vous jure que ce n'est pas du tout rassurant. Mais en fait, oui, il y a régulièrement des problèmes pour sauvegarder les contrôles. Et cette touche n'y change pas grand-chose. Ensuite, vous avez configuré les contrôles ici. Et attention, là, c'est quand même assez dantesque. Donc moi, j'ai ici un Fanatec. Regardez, il est réglé, hein, il y a toutes les touches. Sauf que même si ici, il les voit lorsque j'appuie, après dans le jeu, il ne voit rien. Ici, j'ai une autre configuration Fanatec. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il me le met sur un autre emplacement, mais ici, ça ne sert à rien que je vienne régler les touches. Parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, il y a marqué Fanatec là. Donc, il faut bien que je pense à venir tout le temps sur celui-ci. Lorsque ça marche, c'est celui-ci. Ça, c'est pour la manette. Donc, il faut fonctionner pareil. C'est ce qui bug le moins, on va dire. Ensuite, vous avez la calibration. Donc, la calibration, vous vous demandez
ah c'est quoi? Bon bah voilà, il y a les zones mortes. On vous dit pas par contre quel axe correspond à quoi sur votre volant. Donc pareil, débrouillez-vous, inversez, encore une fois inversez. Tiens, enfin, on comprend rien. Voilà, si le développeur m'entend, faut arrêter, on comprend rien, faut faire quelque chose de propre, de beaucoup plus simple. Là, regardez, je peux calibrer d'ici. Je peux calibrer également du menu par derrière. Enfin, c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Et moi, bah, il ne voit rien. Donc ici, je ne peux rien faire. Et du coup, bah, vu qu'on a tout à l'heure, ici, on nous dit qu'il faut configurer dans le menu principal. Bien entendu, j'ai déjà fait un... Donc on va y aller. Et je vais vous montrer l'usine à gaz que c'est. Alors, au menu principal, on va aller dans Options, Gameplay. Ici, vous pouvez voir Check Steering Wheel Input. Donc, c'est pour regarder si votre volant marche. Moi, mon volant est branché hein, déjà. Donc, on check. Ici, normalement, avant, vous pouviez aller ici et taper les lettres qui se trouvent à gauche pour tester les différents effets et les différentes forces. Vous voyez, ressort, S, force constante, C. Aujourd'hui, ça ne fait plus rien. Il n'y a plus rien qui vibre dans le volant. Pourtant, mon volant est branché. Vous pouvez essayer le S, le C. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et tout ça, ça fonctionnait avant. C'est-à-dire qu'il a enlevé des fonctionnalités sans faire exprès ou je ne sais pas. Donc, c'est un problème. Ensuite, vous avez ici des axes à chercher vous-même. Mais tant qu'il ne reconnaît pas sur quoi vous appuyez, comment vous pouvez savoir quel axe est sur le volant, quel axe est sur l'accélérateur, le frein et l'embrayage. C'est impossible. Et regardez là, par exemple, vous pouvez voir que je vais vous montrer que... Hop, j'ai mis la même touche que... Donc, il reconnaît bien le volant. Le volant est branché, il le reconnaît. Je vais remettre la touche que c'était avant. Hop, voilà. Ça, ça fonctionne. Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas non plus pourquoi le reste marche... Une fois sur 10, hein, c'est vraiment ça la fréquence, donc ça fait peur. Je retourne dans le gameplay. Et là, il y a un menu qui s'appelle contrôle pour vous donner des infos sur la souris, sur le clavier. A priori, c'est des infos à pied. Mais, regardez, là on nous parle d'embrayage. Il faut que le monsieur il mette de l'ordre dans son cerveau avant de mettre des mises à jour et avant de continuer le développement de ce jeu. Voilà, le jeu, c'est une bonne idée, mais là, c'est que plus il va en mettre, et plus ça va être illisible, parce qu'en fait, tout simplement, il met, mais il ne range pas. En UI, UX, le monsieur, il a zéro. Voilà, il a zéro, tout à refaire. Je suis désolé hein, de le dire comme ça, mais vraiment tout à refaire. Et donc, moi, je vais surveiller, je vais continuer de surveiller ce jeu, mais je vais regarder de très près les mises à jour qu'il met. Parce que si c'est pour continuer avec cette expérience, je m'en fous, en fait, d'avoir des nouveaux véhicules, d'avoir d'autres fonctionnalités. Pour moi, il y a des fonctionnalités qui sont essentielles, prioritaires, pour bien s'amuser sur un jeu de voiture. Et pour l'instant, il ne remplit pas les cases. Alors après, je sais que, j'anticipe, hein, y en a qui vont me dire « Mais si, j'ai réussi, c'est facile, c'est comme ça, c'est comme ça. » Essayez d'être honnête et demandez-vous comment vous avez trouvé. Est-ce que vous avez trouvé par une info du développeur ou est-ce que vous avez retroussé vos manches et que vous vous êtes débrouillé pour aller chercher l'info sur le web, sur YouTube, etc. C'est ce que je fais depuis le début. J'aurais pu encore le faire là, mais à un moment donné où j'en ai marre, je donne du temps au développeur. Et après, il faut que ça soit lui qui fasse en sorte que son jeu s'ouvre au grand public, qu'il devienne un jeu indépendant, mais que n'importe qui sait lire puisse l'utiliser. Les gens ne doivent pas partir du jeu pour aller chercher des infos. C'est, je pense, une mauvaise stratégie. Voilà. Maintenant, je sais bien qu'il doit y avoir l'info quelque part. La prochaine fois que je vais jouer, je vous montrerai sûrement le banc qui fonctionne correctement, aucun bug, etc. Mais bon, moi, à force, mon expérience, elle est en demi-teinte à cause de ça. Et ça serait bien qu'il le sache. Voilà. Malgré tout, j'espère que cette vidéo
vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous vouliez savoir ce que je pense de ce jeu en termes de difficulté. Non, ce n'est pas accessible à tout le monde. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est habitué à bidouiller et qui aime ça, ne l'achetez pas. Le jeu, il n'est pas prêt. Pour moi, il n'est clairement pas prêt. Voilà, pensez à partager, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais continuer à suivre ce jeu, mais par rapport aux évolutions que j'attends et que j'aimerais voir, je ne vais pas continuer à jouer, comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant, juste pour m'amuser et faire tel nouveau véhicule ou tel autre. La prochaine fois que vous me verrez jouer, j'espère que ça sera pour parler de vraies mises à jour en termes de d'UI, en termes de paramétrage des inputs, etc. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.